Tiens, nous avons eu la même idée. Et oui, j'ai toujours peur qu'on prenne mon chapeau au bureau. C'est comme moi. Vous êtes employé? Oui, oui. Ah, bon. Ah, on serait bien à la campagne. Mais le dimanche, avec toutes ces guinguettes, c'est si bruyant. C'est vrai, quoique Paris, à la longue, se soit aussi bien fatigant. Comme vous dites. Ah, un malheureux de plus sur la terre. Les femmes, c'est le cas de le dire, elles ont quelque chose dans la tête. Ouais. En plus, elles sont souvent de très mauvaise humeur. Je me demande si c'est pas un effet de leur constitution. C'est possible. Mais pourtant, elles peuvent être meilleures que les hommes. Meilleures et pires. Vous êtes resté célibataire. Ah oui, oui, oui. Ah, moi, je suis veuf. Et sans enfant. C'est peut-être un bonheur pour vous, qui sait. Vous portez une flanelle? Ah oui. Avec une chaleur pareille, ça me semble un excès de prudence. Ben, j'ai toujours craint les coups de froid sur les reins. Pour avoir ses aises, il faut savoir prendre des risques. Ah. Tiens, en voilà un qui en prend des risques. Pourquoi vous dites ça? Cette fille a la vérole. Mon chef de bureau en sait quelque chose. Après ça, on s'étonnera que nos armées ne soient plus les maîtresses de l'Europe. Ah. Ah. Ah, les prêtres. Ils nous ont fait véritablement beaucoup de mal. Pourtant, une religion, il en faut une. C'est toute l'évolution de la société moderne qui est, à mon avis, dangereuse. Car les idées nouvelles n'ont pas réussi à transformer le cœur de l'homme. Et l'honnêteté d'autrefois s'est perdue. On a beau dire, autrefois, on avait le sens de sa place et le goût du travail bien fait. Tiens, regardez-moi ce parapet. L'administration l'a laissé se rouiller. C'est comme dans tout. Pareil qu'à Brest, dans les arsenaux, c'est logement foutisme intégral. Résultat, on voit ce que devient notre marine. Et quand la marine faiblit, c'est tout le commerce qui s'en ressent. C'est comme le théâtre. Le niveau des pièces est tombé bien bas. Bien simple, je n'ai plus les pièces. Moi non plus. Ainsi se rencontrèrent par hasard
À Paris, un jour de grande chaleur, deux modestes employés qui ne savaient pas encore qu'ils allaient vivre la plus grande des aventures. Oui. Et si nous dînions ensemble? J'en avais eu l'idée, mais je n'osais pas vous le proposer. Garçon, s'il vous plaît. Je me méfie des épices en général. J'ai peur que ça m'incendie le corps. C'est des organes fragiles. Les organes sont une chose très mystérieuse. Il nous faudrait peut-être les conseils d'un savant anatomiste chaque fois que nous nous mettons à table. Je vais prendre le pot-au-feu. Bon, et moi, je vais... Je vous suis. La viande bouillie a ça de bien qu'elle a perdu ses sucs abrasifs. Elle est aussi moins nourrissante. C'est vrai, la vie pourrait être meilleure si elle était commandée par la science. Que de choses à connaître, hein. Que de recherches, que de secrets. Seulement voilà, avant de manger son pain, il faut le gagner. Il faut le gagner à la sueur de sa plume. Vous êtes écrivain, monsieur Pécuchet. Oh non, non, je suis copiste au ministère de la Marine. Copiste, mais moi aussi. Que dites-vous là? Mais je dis que moi aussi je suis copiste. Réellement, vous êtes copiste? Mais oui. Mais où? Où donc? Chez messieurs Descambros Frères, rue Hautefeuille. C'est une maison de commerce. Figurez-vous que je suis venu à Paris avec mon oncle et un modeste capital. J'ai ouvert une boutique de confiseurs. 6 mois après, ma femme est partie. Avec la caisse. Et avec le garçon? Oh, avec le mien, en tout cas, je n'en avais pas. Toujours est-il que je me suis retrouvé à Paris, sans une cerise et ne sachant que faire. Heureusement, la nature m'a doté d'une belle main. Moi aussi, mon chef de division a été séduit par mon écriture. À quoi tiennent les choses, tout de même? C'est quand même extraordinaire, ça. Cette coïncidence. On finirait par croire à ces choses-là, hein. Un hasard comme celui-ci ferait reculer un romancier. Il trouverait ça trop extravagant. Vous lisez des romans? Non, non, je ne lis pas beaucoup. Mais j'ai de l'estime pour les écrivains. On dit que leur santé s'use plus vite que celle des autres hommes. Il doit y avoir une raison à ça. À votre santé, à vous, monsieur Pécuchet. À la nôtre, monsieur Bouvard. C'est qu'il y a des livres ici. Oh. Ah, vous avez l'encyclopédie Roray? Oui. On en dit beaucoup de bien. Ah, et Fénelon. Vous lisez Fénelon? Oh, autrefois, oui. Maintenant, de temps en temps. Fénelon a déconseillé l'étude des langues, vous savez ça? Il a dit que l'italien et l'espagnol ne servent qu'à lire des livres dangereux. Oh! Le manuel du magnétiseur. Vous avez fait du magnétisme, monsieur Pécuchet? Juste en amateur. Ah, ce sont des coquilles que m'a rapporté du Havre mon ami, le professeur Dumouchel. On dit qu'on peut apprendre l'histoire du monde dans les coquilles. Oh, quelle chaleur! C'est le gros ennui de vivre sous les toits. Oui. Surtout avec une flanelle. Vous permettez que j'ouvre la fenêtre? Mes papiers vont s'envoler. Alors faites-moi plaisir, accompagnez-moi. L'air extérieur vous rafraîchira. Allez, venez.